Yeah! Salut tout le monde, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce let's play sur sport que j'ai abandonné il y a de cela, pas plusieurs mois, vous en conviendrez. Je crois que le dernier épisode, c'était le quatrième, si ma mémoire est bonne. Vous voyez, je ne sais même plus. Le dernier épisode datait, je crois, de juillet dernier. Alors, c'est avec un grand plaisir que je reprends la petite partie sur Feyworld, en phase créature toujours. Parce que j'ai pas joué hein, depuis, c'est toujours resté au même point. On va voir un petit peu. Alors, ma mémoire me joue pas mal de tours. Qu'est-ce que je devais faire? Pas mal d'hésitation là sur le coup parce que je sais plus du tout où est-ce que j'étais, ce que je faisais. Je crois que je trouvais que mon personnage n'avait pas un faciès assez, assez impressionnant, avec assez de charisme, tout ce que vous voulez. Et je devais chercher des éléments en plus pour le faire évoluer, essayer de l'améliorer un peu parce qu'il me plaisait pas tant que ça et je voulais quand même quelque chose de cohérent au niveau de son évolution. Et le jeu met un peu de temps à charger, alors dépêche-toi, je te prie. Voilà. Donc, parfait. J'avais donc 3 personnes dans ma meute, comme on peut le voir ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, l'idée c'était de trouver des éléments. Tenez, il y en a un juste là. On s'y remet, tout doucement. Et la barre d'évolution que vous voyez juste ici est presque terminée. Je vais bientôt passer à la phase tribu. Hein. Donc il est temps pour moi de me bouger un peu le cul. Bah, prends-le. Qu'est-ce que tu fous? Voilà, bien. Un arpion, ça ne sert à pas grand-chose. Moi, je vois vraiment des choses qui apportent quelque chose physiquement, pas au niveau des critères de vitesse et de vie. Parce que là, maintenant, je vais quand même rentrer dans la phase, justement, de réflexion au niveau du design de mon personnage. Alors, oh là, vous m'aimez pas beaucoup, vous, hein? Bon, allez, hop, si c'est comme ça, c'est parti. À l'attaque. Voulez-vous la jouer comme ça, les gars? Allez, hop. Y a pas de raison. C'est bon, la vie, ça va. On est bien. Boum. Eh, d'ailleurs, pendant que j'y pense, hop, petite pause. C'est possible, ça? Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je suis en train de crever comme une merde. Comment s'appelle mon personnage? Je sais même plus. Non, c'est pas toi, c'est Nonoï. Ce n'est pas toi que je veux. Je veux le mien. Kaomin. Ah, Kaomin. Ah, il était pas si moche que ça, finalement. Ça allait, hein, tout simple, mais... Ah oui, non, je pensais qu'il était bien pire. Et Kaomin, ça veut dire Kevin en nordique. Et le petit battement de cœur que vous entendez sûrement, écoutez, ça veut dire que je suis en train de crever. Et je vais fuir, d'ailleurs. On va fuir, on fuit. Allez, hop, on dégage. Je vais retourner chez moi, me soigner, et je reviendrai. J'en aurai pour pas longtemps. Il faut que je récupère, d'ailleurs, quelqu'un dans ma meute, là, parce que ça va pas du tout. Alors... Ah mais oui, j'y appelle des troupes aussi pour m'aider. Et moi, comme un con, je vous jure. Enfin bref, je récupère un autre allié de ma propre meute, enfin de ma propre race dans mon clan, dans ma meute, et on y va. Oula, c'est pas très clair hein, quand je parle. Excusez-moi, petit coup de fatigue. Et vous là, les petits Xenianus, je sais pas quoi, vous allez m'aider parce que j'en ai marre de me faire niquer depuis tout à l'heure. Allez hop, on est reparti. Et hop, je t'assomme. Poum, ça c'est fait. Tu vas mourir vite fait. Et ça va être bon. Je vais le bouffer, il va mourir tout seul de toute façon. Voilà. Excellent. Il faut que j'en chasse encore 3, c'est ça?
pour pouvoir faire disparaître ses traces. Très bien. De toute façon, elle me détestait au départ, donc j'en ai rien à foutre. Quoi, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as un problème? Donc d'abord, attaque et charge pour l'étourdir, n'est-ce pas? Ensuite, crachat pour supprimer un peu de sa vie. Ouais, oh. Ça va, oui? Tiens, prends ça dans ta gueule déjà. Ouais, j'ai perdu quelques... J'ai bouffé le cadavre de mon compagnon. Vous voyez? Miam, miam, miam. Et toi, tu seras le dernier. Hop, allez, hop, à l'attaque. Charge, s'il te plaît. Charge, 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 allez. Bien. Oh, je peux me le faire à moi tout seul, presque, voyons. Et voilà. Oh non, déjà? Non! Non, je veux pas passer en phase tribu maintenant. J'ai des éléments récupérés tout derrière, là. C'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'on peut, on n'est pas obligé d'y passer directement tout de suite. Hein. Je peux encore prendre un petit peu mon temps pour voir si je peux récupérer quelques trucs. Parce qu'après, à partir de la phase tribu, je ne peux plus modifier du tout. Je ne peux plus apporter de modification à mon personnage. Il sera définitif. La seule chose que je pourrais lui apporter, cette fois, ce seront des éléments manufacturés, c'est-à-dire armure, masque, toutes sortes de choses comme ça, au fil du jeu. Hop. Parce que l'évolution dite de mon personnage sera vraiment terminée. J'ai juste récupéré tout ce qui est un peu aux alentours et on passe en phase tribu. Enfin, on va surtout passer à l'atelier des créatures pour le modifier définitivement. Et je peux passer peut-être un petit bout de temps parce que j'ai envie qu'il me plaise. Voilà. C'est quoi ces trucs-là? Pas très beau, pas très beau. Ils ont pas l'air de beaucoup m'aimer en plus. Écoutez, on va essayer de les ignorer. On va passer directement là-bas. Et, ah, mais non, regardez. En bas à droite, ma vie, elle est à 106 points de vie maintenant. Ce qui veut dire que j'ai un énorme avantage sur eux. Au niveau de la vie. Alors, on va commencer par lui là-bas, il m'énerve déjà. Allez hop, viens là, allez hop. Bon, ça. Quelques petits freeze avec le jeu, mais ça va se régler au fur et à mesure, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer, le temps que je lance. Hop, 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 viens là, toi. Tu tues pas mon compagnon? Non mais j'étais... Non mais, salopard. Vieille branche en plus, il s'appelle. Avec un nom pareil, t'as pas intérêt à la ramener. Tiens, toi aussi, dégage. Allez, rapproche-toi. Alors là, le problème, c'est que je peux que lui faire l'attaque crachat parce que je ne peux pas l'atteindre. Vous voyez, Eh oh oh, t'excites pas, toi. T'es le dernier de ton espèce. Ah, j'en ai encore 4 à tuer. Ça me plaît pas trop ça. Tous dessus les gars, allez hop. Bon allez hop, on va se le faire tranquille. Mais allez, je veux le tuer là. Bouge-toi là, voilà, viens sur le côté. Attaque-le, voilà, c'est bien. Et toi aussi du coup. Corps à corps, corps à corps, corps à corps. Bon bah voilà. Allez les gars. Casse-croûte! Oui, j'aimerais bien qu'il régène un peu sa vie celui-là. Vite fait. Voilà, donc je vais attendre un petit peu le temps qu'il bouffe. Je sais pas c'est lequel. C'est lui? Non, c'est pas lui. Ok. Encore quelques éléments et ça devrait aller. Il y en a là-bas, je vois. Allez hop, les gars, c'est bon, ça ira. Ah, vous me pardonnerez, hein, j'ai un petit peu de mal à reprendre le jeu, mais ça va revenir au fur et à mesure. Alors, attendez, il y a un tout petit truc qui me gêne par contre, c'est que là je suis en territoire non hostile, donc ça va aller. Je vais juste remettre qualité des personnages en moyen, profondeur de champ, moyen aussi. Quoique ça porte pas grand-chose. Parce que le freeze il doit venir de là, je pense. Ma carte graphique elle est assez. Elle est un petit peu dépassée maintenant donc. Effet graphique. Ok, voilà, on va enlever ça, je pense que ça devrait. Voilà. On y voit plus clair, c'est puré. On va dire que c'est fait exprès. Oh là non, stop, stop, stop. Pourquoi je m'attaque à eux? Ouais, c'est pas grave. Allez hop, c'est parti. Je me suis trompé de commande, hein. C'est pas du tout ça que je voulais faire, mais. Je ne sais plus jouer, voilà. Allez, tiens.
drôle de tronche, cela aussi. Faut reconnaître que le mec qui a conçu là toutes les créatures, Maxis, je sais pas quoi. C'est Maxis, hein, c'est bien ça? Attendez, petit doute. Maxis, ouais, c'est lui. Il a quand même fait quasiment toutes les créatures du jeu, enfin énormément de choses. J'imagine qu'il y a une sorte d'algorithme aléatoire ou je sais pas quoi, mais il a vraiment fait des super belles choses. On bouffe vite fait. Et on va s'arrêter là pour la tuerie. On va récupérer les quelques éléments que je vois là-bas, s'il vous plaît. Et face tribune, nous voilà. Tu vas où? Allez, allez. Oh, c'est joli ça là-bas. Une sorte de grosse racine immense là. D'arbre mort, je ne sais quoi. Oula. Eh, je croyais avoir entendu un géant, dis donc. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit squelette par ici? Là, je sais pas ce qu'ils font. Ah, il y a un gros squelette là-bas. Parfait. Hop, allons-y. Et c'est la question. Oula, ils sont pas copains avec nous, ceux-là. On va les ignorer pour l'instant. Bon, allez. Cette meute là-bas, ce sont la dernière race qu'on va faire disparaître. Et ensuite, on va... Et puis ensuite, on va vraiment passer à la phase tribu. Et en plus, ils ont plein d'éléments qui m'intéressent. Alors là, ça va faire mal. Bon, allez, hop. En quelques coups, t'es mort. C'est bon. Oh, le carnage! Po, c'est qui le papa? Allez, hop. Ni une ni deux, c'est réglé. Fuyez. Alors, ceux-là, par contre... Voyez, regardez. Ceux-là, ils sont quand même assez stylés. Voilà. Bah, ceux-là, ils viennent d'une partie à moi. D'une partie à moi précédente. Et c'est quand même beaucoup plus beau que celui que j'ai fait là. Mais bon. Non, c'est... Ça arrive, j'aurais voulu tomber sur des meilleurs éléments. C'est aléatoire, c'est comme ça. C'est pas bien grave. On les tue, et ça ira. D'ailleurs, en les tuant, j'ai peut-être gagné un élément qu'ils ont, et qui me permettrait de lui faire une gueule un peu plus plausible à mon personnage. Hop, les gars, on bouffe un peu sur le cadavre de vos amis. Vous nous pardonnerez. Ah bah ça y est, il fuit là-bas, voyez, il a peur. On va s'attaquer au bébé, tiens. Pas de raison. Qu'est-ce qu'il attend pour manger celui-là, là? Allez, je t'attends. Oui, quoi. Allez, attention. Je suis vraiment bâtard, hein, mais là... Ça y est, j'ai très... Allez. Voilà. Boum. Et voilà. Ça y est, c'est fait. On récupère les quelques petits... Comment? Les fossiles qui sont là. Et c'est parti. Je ramasse pas mal, torsade ça va me servir à rien. Allez, je suis pas un insecte moi, c'est quoi ces pattes bizarres? Bon allez hop, cette fois j'en ai marre, c'est parti. Alors, historique, votre vie de créature a dégagé une nouvelle tendance qui définit votre espèce. De nouvelles compétences héritées vous attendent en phase tribu. Oui, alors ça veut dire que, vous voyez, je vais vous montrer après, je vais vous expliquer ça quand je vais décider de sa forme finale à mon personnage. Alors au début j'étais plus quoi? Dans les adaptables. Ouais. Après, j'ai eu une tendance vraiment à devenir prédateur complètement, un vrai carnage. C'est parti, donc. Petite cinématique, je pense. Non, alors d'abord, oui, je dois d'abord décider de sa forme finale. Il a les yeux qui lui rentrent dans la tête, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai de nouveau sur le visage? C'est surtout ça qui m'intéresse. Eh ben, j'ai rien, c'est bien simple. Je crois qu'il va pas beaucoup se changer. Alors, les caractéristiques qui vont être gardées en phase tribu, par exemple, c'est ça. Vous voyez, là, j'ai ce qu'on utilise pour le crachat, qui est à peu près là. Voilà, c'est ça.
voyez? Ça veut dire que quand je vais être en phase tribu et que je vais attaquer mes ennemis de loin, et ben ils pourront faire un peu leur sniper et tirer sur les ennemis avant de les attaquer au corps à corps. C'est-à-dire que si je les enlève, ils pourront plus. Ça leur permettra quand même de les affaiblir de manière moindre que dans la phase créature, mais ça peut jouer quand même sur les phases de combat à court terme, à long terme. Enfin, je raconte n'importe quoi. Alors par contre, ce que je vais faire du coup, c'est enlever ça. Charge niveau 3, santé 3. Peut-être lui mettre celle-là. Et je vais voir ce que je peux faire avec. On peut les allonger, d'accord. Ah oui, on peut les. D'accord aussi. Oh, j'aime bien ça. C'est-à-dire que si je les mets comme ça. Ah non, ouais. Non plus. Alors écoutez, je n'ai pas deux gueules de dragon, donc on va essayer de faire en sorte de pouvoir en mettre quand même quelques-unes comme ça. Voilà. Tu vas te mettre plus comme ça. Voilà. Ouais, non, t'es pas très beau là. Pauvre vieux. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Bah, c'est bien simple, je vais te foutre derrière. Et pourquoi tu tournes mal? Voilà. Et du coup, ça par contre, c'est beaucoup trop grand. Voilà, moyen de les réduire un petit peu. Il fait plus très peur du coup là. Ah oui, mais il y a ça aussi. Ok, voyons voir. Je pense. Ah, c'est quoi ce cri? Je pense que je vais laisser sa couleur, par contre. Ça me déplaît pas tant que ça. Mais il serait peut-être temps que tu te décides à apparaître quand même. Ce serait bien. Allez, débrouille-toi un peu là. Voilà, vous voyez, il est ni trop coloré ni trop terne. Hein? Je pense que ça, je vais le laisser comme ça de cette façon. Et je vais voir du coup si. Ah, tais-toi. Les pieds peut-être parce qu'ils sont. Ils font pas assez peur. Oh, c'est ceux-là qu'il me faut. Les nettoyeurs. Ah ouais. Ah ça, ils sont beaux ceux-là. En sprint, ils sont beaucoup plus puissants, du coup. Et il ira beaucoup plus vite mon personnage. Non. J'ai pas envie que ce soit un canard non plus. Non plus. Pour faire plus gros. Oh putain, c'est dans son genou. Fuck. Voilà. Voilà, faut quand même qu'il fasse un peu menaçant. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Trois orteils, je m'en fous. Santé, du coup, sa santé est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte. Maintenant, il est à 110 au lieu de 106. Ah oui, et je vais lui faire adopter une posture beaucoup plus droite. Donc, colonne vertébrale, check. Voilà, alors, hop, droit comme ça. La tête, tu vas la remettre un petit peu comme ça. Parce qu'il évolue quand même, hein. Il reste pas au stade de légumes à moitié, la vache chie en faisant. Alors, paf. Donc, s'il est comme ça déjà, peut-être un peu haut, non? Ouais, peut-être un petit peu haut. Hop, on va lui. Ça veut dire que ce sont ses bras qui sont plus bien disposés. On va les mettre un peu plus haut pour faire des vraies épaules. On va lui rallonger les bras, lui faire un peu moins sous forme de dinosaure, un peu plus humain en quelque sorte. Comme ça peut-être. Voilà, parfait. Par contre, ça tente un petit peu dans le genou, non? Non, c'est bien. D'accord. Et ses ailes, par contre, qui sont complètement ridicules, j'imagine qu'on peut pas les agrandir. Non. Évidemment. Peut-être moyen de faire quelque chose avec. Ouh là là. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Allez hop, recule. On annule ça. Et je peux pas lui en rajouter non plus, ça coûte la peau du cul. Comme quoi la crise est partout. Pourtant, crachat, j'aimerais bien lui rajouter un plus puissant. Voilà, viens. Hop. Et je vais peut-être lui mettre derrière les pieds. Non. Là, peut-être non plus.
là. Non, on dirait une couille. On va lui mettre discrètement là-dedans. C'est juste ça qu'on va du coup modifier légèrement. What? Bah écoutez, on va les enlever, on va les remettre, ça ira plus vite. Voilà. On va les mettre beaucoup plus haut. Plus droite ici. Agrandis-toi, parfait. Et vous, vous allez vous foutre dans les moignons de ses ailes. Comme ça. Qu'est-ce qui va pas? Ouais, bah ça, du coup. Voilà. Et bah voilà. Non, on va laisser comme ça. Peut-être lui agrandir un petit peu là sa queue. Son dard. Oh putain. Oh le lapsus, ça fait bizarre. Excusez-moi. Hein. C'est très orienté sexuel. Hein, mais, un peu trop gros là, du coup. Bon, on va dire qu'il gère. On va dire qu'il a cette puissance pour supporter ce truc. Voilà. Une courbe un peu plus faisable. Voilà, voilà, il est définitif. Allez hop, adjugé. Ça ira. Et maintenant, si je ne m'abuse, petite cinématique. Et il va bientôt être temps que je vous laisse pour cet épisode. On va voir un petit peu. Je vais vous laisser la cinématique. Et on va découvrir un petit peu l'environnement vite fait de la phase tribu. Et on se quittera là-dessus. Voilà. Et c'est quand tu veux, cinématique. Bon, allez, je vous laisse la regarder. Ça va, t'excite pas, hein. Oui, feu, oui, c'est bien. Je crois qu'il y a eu un petit bug de son là, une sorte de petit décalage, mais bon. Et ben voilà, il est tout content, c'est bon. Et hop, fais ton village là à partir des tas de bouse. Et donc maintenant il y a une baguette, comme vous pouvez le voir, parce qu'il est devenu le chef. Alors, bravo, vous êtes sur le point de passer en phase de tribu, je le sais. Ah oui, il y a le chargement bien entendu. Des événements, de l'interface, tout ça, des animations aussi, qui prend un petit peu de temps. Et je pense que je vais rencontrer pas mal des créatures que j'avais créées dans mes autres parties. C'est intéressant, là vous voyez, ça charge. Tréoglobon, Genia, enfin faites pas gaffe au nom, hein, j'ai vraiment donné des trucs très aléatoires. Atorus. Ah, il y a que des trucs à moi là, pour l'instant je sens que je vais en voir. Il y a énormément de façons d'aborder la phase tribu, que ce soit en faisant de l'élevage d'animaux pour la bouffe, de la pêche. Vous allez voir tout ça au fur et à mesure. De toute façon, il y a un didacticiel, un tuto de début à chaque fois, vu que c'est une nouvelle phase. Et ma hutte du chef. Parfait. Et bien sûr, maintenant, ils ont un langage très viril, hein, mais... À part le cri qu'il vient de faire. Bon. Ce toit qui vous pousse au-dessus de la tête, ce feu que vous maîtrisez. Ça y est, vous voici à l'âge des outils qui coupent et des tam-tams. Bien sûr, fallait ajouter de la musique. Mais gare, d'autres tribus s'implantent partout sur la planète. Vous avez formé une tribu, vous voici à la tête d'une tribu de 3 individus, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs individus et leur donner des ordres. Vous devez interagir avec les autres tribus. Regardez, ok. Barre de progression comme là d'habitude, ses objectifs comme d'habitude, et la hutte. Bien. Atelier tribal, cliquez sur le chapeau pour ouvrir le volet villageois. Si vous voulez votre villageois, cliquez sur le bouton. Vous lisez aussi, j'ai pas besoin de vous faire la lecture à chaque fois. Alors, voyons voir. Alors là, voilà, je peux maintenant ajouter des choses en plus. Ah, j'ai de l'argent, oui, vous voyez. Maintenant, des chapeaux, des masques,
poitrail, épaule, symbole, détail, tout va bien. Ça, je vais le faire en off. Par contre, j'ai pas envie de vous saouler avec ça, ça sert pas à grand chose. Je vais juste vous montrer un petit peu l'interface maintenant, comment que ça. Qu'est-ce qui change? Détail, caméra, je m'en fiche un petit peu, je sais comment ça marche. Bah, je suis obligé. Hop là, ça c'est la. On zoom, on dézoome. Je fais clic gauche, clic droit en même temps pour tourner autour. Je vais mettre une vue un petit peu de 3 quarts, un peu à la Edge of Empires ou Edge of Mythology. Je peux cliquer sur la carte comme d'habitude pour m'y rendre, vous voyez. Hop, mouvement de caméra. Tchou. Il y a toujours mon vaisseau qui est là. Qui s'est écrasé. Enfin, mon vaisseau. Un vaisseau que j'ai créé qui est écrasé sur la planète. Hein. Les éléments des autres parties interagissent avec celle-ci. Donc, atelier tribal, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ce que je vais faire, oui, bah oui, tiens. Hop, je vais sélectionner mes villageois. Et vous allez aller chercher de la bouffe. Ah non. Ah, je peux pas. Faut d'abord que je fasse le didacticiel bien. Voilà. Je me disais, rien ne bouge, c'est figé, c'est bizarre. Bien cliquer sur l'icône de la lune et Mika pour que vos caméras viennent sur votre tribu. Ok, voilà. Cliquez sur le portrait d'un villageois. Tac, tac, tac. Ok, donc je vous prends tous, les gars. Et vous allez chercher de la bouffe. Et hop, c'est parti. Parce que la nourriture qu'ils vont prendre, du coup, va atterrir ici. Et les villageois, là, ont une barre de faim, toujours. Et il faut donc faire attention à la constante barre de nourriture. Enfin, la constante... alimentation qui sera présente ici. Parce qu'elle peut être volée par des petites créatures sauvages. Et j'ai besoin de nourriture pour mon clan, à chaque fois. Et pour qu'il s'agrandisse, vous voyez, ici, je peux faire ajouter un bébé, et ça me coûte 10 de nourriture. Donc je vais cliquer dessus parce que j'ai assez de nourriture, hein, j'avais 15. Et ça va faire un petit œuf, voyez. Regardez, hop. Et voilà, tout petit bébé qui va se faire attaquer par des créatures méchantes extérieures au village, qu'il faut également que je surveille. Ici, dans l'interface nourriture et soins que j'ai pas encore développé. Ça permettra d'aller éventuellement pêcher, récolter de la nourriture plus vite dans les arbres, et ça de guérir après pour créer des tactiques de combat. Corne de bois, ça c'est pour devenir ami avec les tribus, mais désolé à ceux qui sont tout gentils, tout mignons, mais moi je vais attaquer, donc j'aurai besoin des armes, âge de pierre pour attaquer les maisons plus facilement, les torches enflammées, pour attaquer toujours, et les lances de guerre pour faire mon sniper. Voilà. Ah oui. Alors, vous avez sélectionné la nourriture, mais vous devez la foutre ici, s'il vous plaît. Allez, hop. Et là, ça va augmenter. Normalement, ils font la queue, ils vont déposer sur l'hôtel. Oui, ça augmente. Et j'ai rajouté un petit bébé en plus encore. Voilà. Autant rajouter le plus vite possible, car dès qu'une tribu va s'implanter, j'ai bien l'intention de l'attaquer. J'ai l'intention d'attaquer dès qu'elle apparaîtra. Je veux pas lui laisser le temps de créer ses trucs et tout là, parce que ça me saoule sinon. Ça va mettre 1000 ans. Enfin, ça me saoule. Pas d'y jouer, mais je veux dire, ça me saoulerait de me faire attaquer toutes les 5 secondes. Donc, moi, dès qu'il y en a une qui apparaîtra, boum, j'explose. Il n'y a pas de raison. Allez hop, rappel des troupes. Voilà, sur ce, petit épisode détente de reprise, donc rien de bien passionnant. J'ai une voix un petit peu enrouée du coup, mais je prends quand même plaisir à y jouer. Je vous laisse pour cet épisode, qui est le 5e, je crois, ou 4e. Je ne sais plus, je verrai ça au montage. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis n'hésitez pas à liker si l'épisode vous a plu. Voilà, d'autres suivront très bientôt. Salut, ciao. Hop là, ouh là là. Que se passe-t-il, la caméra bug? Trop sensible, trop sensible. Voilà, bien. Oula, il a des pensées bizarres, lui, non? Ah, attendez. Voya. Voya. Oula. Voilà. Une nouvelle tribu s'implante. Ça va pas le faire. Ils ont l'air gays, en plus, là, à danser. Dandiner leur cul, là. Une tribu rivale de la tribu Atuarius s'est formée sur votre planète. Et c'est moi qui ai créé ça, d'ailleurs. Cette saloperie, là. Elle est assez loin, vous voyez. Je vais essayer de récolter encore un petit peu. Voilà. Je me rajoute encore un bébé. Moi, j'ai pas encore assez d'argent pour... Voilà. Et au prochain épisode, nous les attaquerons. Sur ce, passez une bonne journée, j'ai déjà dit. Bye. Salut. Au risque de me répéter.